Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis au sang, ces hommes noirs, chez notre aîné. Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info, merci de nous suivre. Donc, on va dire que cette affaire de coup d'État, il faut en parler suffisamment, mais il ne faudrait pas qu'on essaie d'en faire un peu de trop. Qu'est-ce que j'entends par faire un peu de trop? J'entends la manipulation dans les réseaux sociaux, la désinformation en même temps. Mesdames et messieurs, ceux qui vous posent l'information en solo, Congo Buzz est le meilleur endroit possible. Parce que ici, nous ne cherchons pas à vous manipuler. Nous ne cherchons pas à vous désorienter. Surtout, nous ne cherchons pas non plus à vous donner des informations qui ne sont pas vérifiées. Je ne peux pas venir ici vous donner des informations qui ne sont pas vérifiées. Et je ne resterai pas dans le nom des individus. Dans le nom des individus, ça, je ne resterai pas là-bas. Mais je vous donne l'information. Le monsieur qui a publié la photo du spécial, du conseil spécial en matière de sécurité du président de la République est aux arrêts. Cette personne qui s'est donné le luxe de prendre la photo au conseil spécial à Zalakiwana, Moutouana Aza aux arrêts. Et il risque d'aller en prison ou il risque sa carrière. Parce que c'est inadmissible. Les services de renseignement sont d'abord, au-delà de tout, des services de discrétion et d'intelligence. Quand quelqu'un se paye le luxe parce qu'il veut que Mamouna ait une photo à Kangui, ce monsieur-là risque son travail et il risque la prison. Et donc, pour la Biloko modèle, il a peiné Biloko Moko Oyo. Aucune autorité ne peut le vouloir. Nous devons dire aux gens que l'ANR, par son essence, n'a pas la mission, n'a pas pour vocation d'humilier qui que ce soit. Té, nature na bango, moussala na bango, eza bongoté. Par contre, bango, moussala na bango, eza li ko recherché ben information, ou yogi ko amené pays na mabé. Ou yogi ko entraîné chute yamboka. Parce que, bah, qu'est-ce que ça coûte en réalité lorsqu'un coup d'État est fait dans ce pays? Donc, kaka pour un petit soupçon, on peut vous interpeller. Et il n'est pas mal d'interpeller les gens, ceux qui, bah, yogi soupçon. Yamabe, Surio, et surtout de ta la sécurité, Yamboka. Mais malheureusement, Koyeba Mingi yaba Congolais, Nde Bango, Nde Bakomara na niveau qu'on déclassifié. Ote. Donc voilà pourquoi moi j'appelle beaucoup de gens la retenue. Ce n'est pas une blague. Mais beaucoup de comment les médias congolais vont traiter cette information avec autant de légèreté. Oublions la sécurité nationale. Hein. Oublions la sécurité nationale. Moi je ne vais pas entrer ma profondeur Nango. T'es dans la profondeur d'un côté parce que bah, les médias nous donnent une minute, nous vrai et vérifier. Il faut attendre que le communiqué de l'officiel, Bifabino, voici Talaï del Kamadelek, Talaï Kamadelek. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la menace d'un coup d'État pèse sur la RDC pour un effet contagion? Mais oui, c'est naturel. Obama, Biden, Donald Trump, tous les présidents du monde, même Macron, ils pèsent toujours des tentatives de coup d'État, ou des tentatives de meurtre, ou des tentatives d'assassinat. Et ça l'a toujours. Tous ces présidents-là, bah, Poutine, ils vont vous dire que par jour, bah, Zalaka, au moins averti, on a deux ou trois choses. Ça arrive. Quand on est président d'un pays, surtout comme le nôtre, il n'est pas facile de vivre en paix. Ce n'est pas possible. Donc, vous êtes véritablement aux aguets. Et maintenant, quand on est encore au pouvoir et qu'on a en face de nous bateau, barolinga, partout le mécanisme, bazonga na bokondi, baza capable, comme ça, la ONU, ce bongo, balingi, basala. Et na relata ki bino, na première partie, n'engue histoire et bandi na pouvoir à Fachi. Bino mo bomona ki que ba tentative, ils allaient déjà au début. Mais maintenant, il faut dire que Dieu a sa part. L'homme perd sa part naïe. Depuis tout ce temps, vous avez vu vous-même. Comment Dieu était là, comment Dieu vous a protégé, a battu on a boué, bouquin a crash à vie, a battu on a boué, a sali on a boué, a sali on a boué. Mais pensez-vous que cette grâce est continuée pendant très longtemps? Oui, c'est possible que la grâce est continuée. Mais la grâce n'est pas un facteur sur lequel on peut tabler pour le bac. Non, c'est bon, on a ça à l'abri parce que le très haut me protège. C'est bien, le très haut te protège, mais nous protège. Mais bisoumoko peut faut développer un mécanisme de protection. Et mécanisme à protection, il y aura toujours, moi je l'ai toujours dit, ceux qui battent au Zapena, bateau à Zapena, bien sûr, ceux qui battent dans la mémoire, il y a malam,
Bon, se rappelle que quand j'étais en Ouganda, je ne donnerai pas beaucoup d'indicateurs, parce que, non, pas beaucoup d'indicateurs. Quand j'étais en Ouganda, je fais deux émissions pour ne parler que de Makambo et Okomao. On dirait Toyobaki, on avait prévenu ça. Toyobaki que, lorsque vous avez le pouvoir, vous avez l'obligation de changer, évidemment, ma structure et belé. Ma structure, c'est là qu'il y a changement. Mais bateau, dans la structure, on a changé à Bango toujours. Non pas pour bazar incompétent, non pas pour bazar ma cacité, mais tout simplement parce que vous n'avez pas encore la maîtrise na Bango, le contrôle na Bango. Il y a des choses comme par exemple au niveau de l'armée, au niveau de la sécurité, au niveau des finances. Une fois que vous commis, le premier démantèlement, et c'est là qu'on a un secteur où on a. Je viens, je prends le pouvoir. Qui gère l'argent? Qui a l'argent? Parce que celui qui a l'argent a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir contrôle l'argent. Donc, quand on arrive, on se dit d'abord, comment ça va se passer? Qui gère l'argent à pays? La banque centrale, na ma régie financière, na numéro 1 à Bango. Ok. Donc, ce sont les deux personnes que j'échange. Parce que, ce qui est au côté, l'adversaire, s'il continue à contrôler les finances, ils vont contrôler les groupes armés, ils vont contrôler le mouvement subversif, ils vont contrôler la presse dissidente, ils vont contrôler le bloc modèle. Et vous allez voir que le pouvoir qui est en place a du mal à communiquer. Là, je parle du principe, hein, des principes. Je ne parle pas de ce qui se passe dans le Congo. Je parle de principe. Ce qui est Koukani, ce n'est pas de ma faute, mais le principe est Zéangouan. Quand vous arrivez au pouvoir, vous ne laissez pas la banque centrale et les régies financières entre les mains des personnes que vous ne contrôlez pas. Ou entre les mains des personnes qui ont 2 mètres. Parce que celui qui a 2 mètres, ça veut dire quoi? Celui qui est nostalgique de celui qui l'a fabriqué et celui qui est reconnaissant n'a moutou à maintenir rien. Un leader, un chef n'a pas besoin des hommes aux loyautés partagées. Quand tu as quelqu'un qui travaille avec toi, mais qui a une loyauté partagée, et comment toujours compliqué. Humainement, ce n'est pas possible. Il y a un qui m'a créé et un autre veut me maintenir. Donc, je ne saurais pas être mauvais à l'endroit de celui qui m'a fabriqué. Parce que la créature restera éternellement, même dans son inconscience, même dans son ingratitude, il restera toujours naturellement reconnaissant vis-à-vis de la personne qui l'a fabriqué. C'est comme ça dans la vie. C'est comme ça. D'ailleurs, il faut avoir peur de ceux qui quittent leur fabricant, leur créateur, pour venir vers toi. Moi, na oya boi ba botinaye. Moi, na oya boi ba botinaye. Boi ba kelinaye. Alandu yo po pesiem bongo kebanaye. Po akobomo mouta liboso. Et ça, ce sont des histoires que ceux qui gouvernent devraient comprendre. Quand j'arrive au pouvoir, la première des choses, je regarde qui a la gestion de l'argent. Parce que c'est avec l'argent que l'on crée de mouvements subversifs. C'est avec l'argent que l'on fomente ma coup d'État. C'est avec l'argent que l'on prépare ma putsch. C'est avec l'argent qu'on entretient la dissidence. C'est avec l'argent qu'on fait toutes ces choses-là. Donc la première des choses à faire, je bloque d'abord la question d'argent. Parce que l'armée et la sécurité sont de sable mouvant. Tu ne t'y hasardes pas, bongo, parce que Godindapé, il faut aller doucement. Et la méthode a été bien faite avec Fachi. Je ne déroge pas dans l'armée tout de suite. Au service de sécurité, je ne touche pas tout de suite. C'était très sage. Mais parmi ma erreur, c'était de laisser la banque centrale contrôler votre ressource. C'était vraiment pas... Bon, erreur, maladresse peut-être, de laisser ça là-bas et de laisser toutes les régies financières là-bas, entre le maire et Batouana. C'était assez compliqué. Les ministres des Finances, les ministres d'Anagnouana, Batouana, tout, dans la logique, ils pouvaient encore garder une main. Parce que l'argent, ne vous en faites pas. L'argent est dans l'inert. Il y a un problème est bêlé. Donc, quand vous n'avez pas, et que vous n'avez pas le contrôle, il y a un moment compliqué. Et donc, après, finalement, Mme Mbongo, il y a une armée, une sécurité. Et au niveau de l'armée, c'est simple. Au niveau de l'armée, on ne va pas aller loin. Au niveau de l'armée, on utilise généralement Batoyo, Batagiko Mata, Batagiko Meyo, ce qu'on appelle la gestion des frustrés. Dans tous les corps scientifiques, militaires, politiques, il y a toujours 2 camps. Non, 3 camps. Le camp de ceux qui veulent véritablement le changement et qui ont l'idée, la volonté de faire évoluer les choses. Il y a un autre camp qui, lui, a un maître et obéit qu'à ce maître-là. Et un autre camp, c'est les indécis. Et ils partent au gré des vagues, au gré du vent. Mais ce n'est pas des gens vraiment...
Mais quand on arrive au pouvoir, on regarde. Bato bazan a besoin makambo kendeliboso. Bato bazan a besoin mafia ezalate bazalaka ba marginalisé. Et c'est cette catégorie de personnes au bas se reposer kanango. Mais pas tout de suite, mais de façon très intelligente. On vient, on peut promouvoir. Na quand un bateau lui subito te dit que au bazan bato mabe, on peut faire la promotion na bango ou même la permutation na bango. Mais quand on y revient dans chaque vague de promotion, on pense aux frustrés. On pense aux marginalisés. On leur donne un peu plus de pouvoir. Et quand ils ont plus de pouvoir, ils peuvent contrôler. Bangomo Bayebi, Neni Bango démonter. Voilà pourquoi certaines personnes comme Napoléon Bonaparte disaient la véritable révolution, elle est celle qui est militaire, parce qu'elle s'est faite au palais. Le nettoyage de l'armée s'est fait au sein de l'armée. En dehors de l'armée, c'est extrêmement risqué. Le nettoyage au sein de la police, ça se fait dans la police. Dans la magistrature, c'est dans la magistrature. Le vrai nettoyage s'est fait à l'intérieur de quelque chose, pas à l'extérieur de quelque chose. Parce qu'on ne lave pas la maison de l'extérieur, on la lave de l'intérieur. Donc si vous voulez véritablement nettoyer les choses, vous devez inoculer dans cette structure un noyau de hommes et de femmes à qui vous donnez beaucoup de pouvoir, mais que vous comptez sur leur intégrité, vous comptez sur leur loyauté, mais aussi vous essayez d'utiliser un peu cette fibre. Parce qu'il faut faire comme Lao Tzu. Lao Tzu dit « ça ne sert à rien ». De tuer tout le monde. Non, lorsqu'un général prend le pouvoir, il dit que le général doit s'égarder de ne pas tuer tout le monde, mais d'utiliser l'énergie de ceux qui veulent véritablement changer les choses. Il y a un peu, ça c'est sadique de le dire, mais c'est pratique, il y a un peu de la vengeance. Voyez-vous, quand les forts sont là, les forts, ils savent que nous, on a géré le pays, tout ça qui m'a rambo bien, tant qu'il va classer dans la malam, mais tu as dans la promotion, mais tu as là-bas, oh, bah, il y a un calamingi, tu as une promotion, mais elle est dans le modèle, on a bango, bah, c'est là, bango, moukoulou, la bango. Le jour où Pessi va au pouvoir, c'est eux-mêmes qui savent. Ils savent là où frapper et là où anéantir. Mais généralement, quand on n'est pas informé, Nabilo Kouana, et quand on ne nous informe pas, très souvent, on s'emmène et puis tout est normalement compliqué. Donc, on peut réellement réussir dans le côté. Au sein de la police, c'est la même chose. Mais maintenant, beaucoup d'États se préparent de façon collective. Je vais dire de façon globale. Et c'est ça les marandéni. Coup d'État, d'abord, pour la petite histoire, il faut boire que depuis 1960, l'Afrique connaît environ près de 200 coups d'État. 200 coups d'État depuis 1960. Près de 200 coups d'État. Ce que nous avons une époque à Kala, depuis 385, tous avant Jésus-Christ, on peut compter une centaine de coups d'État. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec, avant les indépendances, il y a eu moins de tentatives de coups d'État, moins de coups d'État. Mais depuis que le continent guillemets la civilisation, nous avons connu et des coups d'État et des tentatives. Hein, ce n'est pas seulement coup d'État, mais bah, tentative, non, on a un coup d'État, une affaire à 200. Sans compter, bah, on a étouffé dans l'œuf. Sans compter, bah, on a préparé pendant l'origine, on doit réfléchir. Donc, au-delà de toutes ces choses-là, il faut maintenant que tous au moins maillez les morobos. Il y a quoi, bah, que lorsque vous laissez à vos adversaires les finances, vous leur laissez le feu, c'est-à-dire l'armée, vous leur laissez la rue, il est possible que ces gens vous renversent sans que vous se rendez compte. Mais maintenant, le coup d'État, et ça les macas, comment? Et ça, j'aimerais vous dire ça tout de suite. Quand vous avez toutes ces choses-là, ça vous donne quand même une petite idée, quoi. Parce que si vous savez que nous avons une histoire assez compliquée dans notre pays, surtout dans notre Afrique, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous avons connu près de 200 coups d'État. Ça veut dire tentatives de coups d'État et coups d'État accomplis, près de 200. Sans compter dans le lobby étouffé. Sans compter ce qui a été étouffé dans l'œuf. De mouvements subversifs par-ci, subversifs par-là, ainsi de suite. Maintenant, le coup d'État, pour que ça les mette. Vous avez besoin de l'extérieur et vous avez besoin de l'intérieur. De l'extérieur, vous avez besoin des alliés, des parrains qui peuvent donner de l'argent et qui peuvent donner des garanties. À l'intérieur, vous avez besoin de taupes et vous avez besoin de, oui, des taupes et des traîtres. Le coup d'État est mené toujours par des gens qui généralement sont autour du président et qui occupent des grandes fonctions pour la plupart des cas. On peut commencer par jardinier, cuisinier, conseiller, garde du corps, ainsi de suite. Et Darabongo, hein, ne vous en faites pas. Coup d'État, c'est pour ici, il faut bateau basé dans Kati, il y a secteur Bandima. Et Bandarana, et fait coup d'État, il faut le matin que tout le monde qui l'a tout salité.
coup d'état se prépare à penza. Coup d'état va préparer à Kayango minutieusement. Qui joue le rôle de qui? Les frères, les cousins, la femme, la maman, le papa, l'ami, le conseiller, le garde du corps, le général d'état-major, le général, tout bilo qu'on a tout, bah, sécurité, bah, ça veut dire chaque dans chaque secteur décisionnel, il y a toujours une taupe, il y a toujours quelqu'un qui peut dire bon, moi je suis là, hein, ma main d'œuvre est là, je peux le faire. Et quand vous avez réuni au niveau national maintenant, disons au niveau de l'intérieur, vous vous identifiez, bah top, maintenant on attend le soutien à de l'extérieur, ou on commence par l'extérieur pour finir à l'intérieur, ou l'inverse. Mais maintenant, si à l'extérieur, vous n'arrivez pas à avoir la bénédiction, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors là, à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il y a trois niveaux à l'extérieur. Il y a le niveau politique, il y a le niveau financier, et puis il y a le niveau territorial. Batomabele, c'est un voisin. On va servir une base arrière si possible, parce que le coup d'État et la rébellion sont des choses différentes. La rébellion, on a besoin, il y a Batomabele, il y a la perception de la banque pour que tout soit la base arrière. Coup d'État, ils allaient que trop salon à l'interne. Il y a difficile que coup d'État ait raté. Parce que, bateau, va salaire à Kango, bateau, baby président. Baby calendrier, baby programme, chef d'État voyagé, peut-être dans l'Ibanda, il y a un boka, baby Kango détourné avion président, baby bloqué quelque part. Ils savent, ils peuvent faire toutes ces choses-là. Mais le problème maintenant, c'est comment déjouer les coups d'État avant même qu'ils ne soient formés. La seule chose à faire dans Makambouana, c'est à la cap. Avoir tes propres personnes dans le milieu le plus haut de la République. Sécurité, finance, armée, justice, tout ça. Il faut battre en base à la cas autour pour que baïba. Parce que pour qu'on maîtrise le pouvoir, il faut en bateau, il faut compter sur Bango. Bateau, il faut Kelly, il faut fabriquer. Parce qu'il y a une dose comme ça. Le chef de l'État pour gérer Mboka Oma Lamu, il faut que le chef de l'État ait la plénitude, il y a contrôle, il y a pouvoir. Plénitude. Ça veut dire tout celui qui a le pouvoir des décisions, surtout dans l'exécutif. Dans l'législatif, on peut encore comprendre. Mais dans l'exécutif, tout a le pouvoir, même une portion de pouvoir, il faut que le chef de l'État ait la maîtrise. Bon, je ne sais pas si c'est une légende, mais on nous a dit que Mobutu connaissait tous les chefs du quartier. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais on nous a dit que Mobutu avait le contrôle de tous les chefs de quartier et tous les chefs de rue, au point qu'il avait les informations à l'immédiat. Parce qu'il y avait une telle coordination que chef de rue, chef de quartier, premier agent, il y a service de renseignement. Au point qu'il remontait les informations très rapidement, jusqu'au point que Mobutu était au courant de tout. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression qu'on est en train de vivre une certaine flagellation. L'information est récoltée par-ci, par-là, parce que les structures elles-mêmes ont déjà des problèmes. Bon, chef de rue, tout est biété. Chef du quartier, tout est biété. Chef de commune, tout est beaucoup compliqué. Bourgmestre, c'est I. Donc, c'est-à-dire que mon cellule, il y a un véritable détenteur, il y a pouvoir à la base. Bangonde, il faut saboter pouvoir et à président, au niveau de la base. Donc, il faut maintenant que le chef de l'État pense à ce modèle. Parce que Bandoki, Nabatomabe, ceux qui ont raté coup d'État, ont raté rébellion. Ceux qui ont raté coup d'État, rébellion, ils ont une piste pour Nabango. Ceux qui ont raté rébellion, sécession, ils ont une piste pour Nabango. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas encore dit non. Ils n'ont pas encore dit non. Ils sont encore là en train de réfléchir. Ils ont monté le plan Nabango. Ils ont dit coup d'État est raté. On fait comment maintenant? Est-ce que tu as Simba Katanga Mouké, tu as bougé Katanga Mandam? Tu as la sécession? Est-ce que tu comme ma qui voûté? Est-ce que tu comme ma beauté? Est-ce que tu comme ma beauté? Donc, vous vous rendez compte maintenant que état de siège, moyen Simba, convenablement exalté, parce que déjà au niveau de la tête, il y a des gens qui pensent occuper le fauteuil présidentiel à une année des élections. C'est quand même à un moment donné un peu écœurant. Maintenant, comment on va faire? Parce que tout le monde maintenant est complètement compliqué. À qui faire confiance maintenant? Les gens attendent que Ngana Lobomoni, dossier, il y a Makambotali, M. François Béa, dossier Tali, service à sécurité, et Tali, renseignement. Personnellement, je ne prendrai pas liberté pour raconter des histoires où on a maîtrisé. J'attends que les informations soient finalement confirmées. Comme ça, on peut s'habiller de l'information convenablement. Mais pour l'instant, l'instruction a encore lieu.
un mouvement ya coup d'état elinga ki sale manamboka et batouana bazal le ko sale baoz bazal continue au ko sale ngo des réunions nuitamment yo ko sale ma na Congo na Afrique du Sud Libanda un peu partout les gens sont encore en train de former ba bloc modèle wana mais le problème comme la question que nous nous posons c'est que c'est quoi l'opportunité d'un coup d'état en ce moment. C'est là la question. Quelle est son opportunité? Ça va rapporter quoi exactement? Le coup d'État ne va faire que nous faire reculer. Parce que celui qui fait le coup d'État maintenant, où on oublie les élections, ils auront au moins 3 ans. Oh, bah, ça m'a pour na, bah, ben, on se dit, gente, na, bango, tout ça. Ils auront 3 ans. Et dans les 3 ans, on sera sorti d'un ordre constitutionnel. Oh, yo, on n'aura plus le Parlement, on n'aura plus l'Assemblée nationale, on n'aura plus la justice, l'appareil judiciaire tel qu'il est. On va passer dans ma nomination. Il y a ma copain, il y a ma nini. Et on sait comment ça se passe. Nous savons. On va supprimer ma bilogue, ma droit de ma liberté d'expression. On sera dans un état assez compliqué. Et ça ne va pas nous faire avancer. Par contre, si nous attendons en 2023, nous montrons que nous ne sommes pas d'accord avec la gestion. De Félix Tshisekedi, celui qui va remporter va remporter. Celui qui va perdre, on perdra. Mais pourvu que tu recules sous terre. Nous avons connu un coup d'état en 1965. Tu as la Ningemboke Komaki. Tu as la Komaki avec tout l'héritage de Kinango en termes financiers, bah, progrès qui déjà en termes de finances, en termes de développement, en termes de mobilité. Tu as perdre en gros, à la suite, il y a gestion et dictature. Parce que quand vous avez un coup d'État, les gens qui dirigent ne sont pas redevables. Il n'y a aucun lien entre Bino na Bango. Bino te bo Noma ki Bango, Bino te bo Vota ki Bango. Ces gens-là travaillent, n'a pas intérêt na Bango et comme ils veulent. Alors, Moutou les alliés, est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? Je suis très convaincu que ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, si ce n'est pas ce que nous voulons, arrêtons ça. Arrêtons ça. Donc, mesdames et messieurs, c'est vrai vraiment que les choses ne se sont pas très bien passées dans le temps et l'équipe. Mais maintenant que je pense que la situation est sous contrôle, il faut maintenant essayer encore de revoir notre façon de faire les choses. Il faut que le réseau de communication et ça, la Moussa Nango convenablement. Je vous avais dit, cette affaire, il y a réseau, cette affaire, il y a RPTC ou bien autorité de régulation. Maintenant qu'on est en train de demander. Communication, c'est le maquis, email, c'est le maquis. Si cet organe fonctionnait convenablement, on n'allait même pas avoir besoin de demander la réquisition. Bangomoko, Bangaba, Salamo directement, Bangaba, Sabaeba, que, et à telle place, 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 on n'allait pas être dans ces conditions-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, excusez-moi, on se retrouve dans ces conditions, tout simplement parce que nous n'avons pas été préparés et on se laisse un peu comme ça. Mais toute la manipulation qui va avec Bolandangote, toutes les personnes qui veulent discréditer l'ANR, toutes les personnes qui veulent discréditer les services de renseignement, toutes les informations qui tendent, Yacoub Sabino, qu'on exagère dans le combo et bateau, le photo et généraux, le photo et militaire, il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de locuta et zawana. Le généraux et belé, il y a interpellé, il y a besoin de l'okarana. Locuta. Et puis, je dois vous dire, Momoni, Babilo, il y a une interpellation, monsieur François Béa, le généraux, Moussoussou, tout ça. Ces gens-là savent que, et la routine, donc ce n'est pas une affaire, ce qui est un scandale, ce qui est un scandale. Dans une routine, les généraux sont généralement appelés pour ceux qui sont en Cambozali, même les responsables de l'ANR, quand il y a des soupçons, toujours. Donc, mais ce sont les gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, qui dramatisent les choses. Il faut trouver d'abord dans le loco. Il n'y a pas d'humiliation. Il n'y a pas d'humiliation dedans. Parce que c'est comme ça. Il y a mon copé. Monsieur François Béa, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect, bangomoko baibi que dans leur surcouille à sécurité, et zalarabongo, petit soupçon, nous tamouke, on va t'interpeller. Batou na yo, humiliation, mais bateau, balingi va manipuler l'opinion, n'est pas que dans la logique qu'on a. Alors vous ne tombez pas dedans. Oh, aéroport Ndjili, bakangi, l'okuta. Oh, il y a eu crépitement de balles à l'aéroport Ndjili. C'est faux et archi faux. Ne suivez pas ces affabulateurs ouana. Il n'y a pas ici, encore une fois, le roumoko, oh, humiliation, exacte. Ma beti moutoute, ma kangi moutouna salité te, et le roumoko te bolanda bata l'okuta te. Quand vous avez besoin d'informations, vous pouvez m'écrire et je répondrai. Donc, coup d'État, oui, il y a eu véritablement tentative, il y a coup d'État. La proclamation, mais et puis après, il faut que les gens apprennent la notion de l'État.
L'ANR ne va pas aller communiquer. Quand j'ai entendu certaines personnes perdues dans leur esprit, non, il faut que l'ANR puisse communiquer. Ah, bisabiso, coup de tête, bandakinengini. Vous voyez l'ANR dire ça. Quel est le service de sécurité qui peut faire une chose pareille? Mais même aux États-Unis, il y a des auditions des DG des FBI. Bah, directeur de FBI, interpellé. Il n'y a pas longtemps ici, un a été interpellé au Sénat. Non, ça veut dire que quand on ne connaît pas, au lieu de parler, on apprend. Nous, malheureusement, quand on ne connaît pas, au lieu d'apprendre, nous, on parle. Parce qu'il faut à un moment donné dire que le cerveau, bon, pas le cerveau, mais je pense que la différence avec le ventre et le cerveau, c'est que quand le ventre a faim, il communique à l'estomac. Et l'estomac vous dit que j'ai besoin de manger. Et qu'est-ce qui se passe? Que vous restez tranquille, vous ne parlez plus. Ceux qui sont affamés ne parlent pas beaucoup. Mais lorsque le cerveau est vide, oh là, il vous fait parler pour vous ridiculiser, pour vous humilier. Beaucoup de gens parlent parce que dans leur cerveau, ils n'ont pas assez d'infos. Au lieu d'apprendre l'information, bon, ok, on a la logique. Voilà. Non, Anne Faloba, au président, il fallait. Vous voulez que la présidence fasse quoi? Que la présidence de la République communique sur la. Non, il y a eu un coup d'État du tel jour, voilà, t'as dépassé comme ça. Et comme ça? Non! Le communiqué, s'il doit avoir lieu, ça sera après ma instruction. Parce que lorsque un coup d'État est manqué, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire que d'autres sont en train de réfléchir comment maintenant ne pas rater la cible. Ils vont utiliser d'autres mécanismes qui n'ont pas été explorés. Alors les services de sécurité ne vont pas se laisser dans l'amateurisme d'aller communiquer. Ils gardent leur silence aussi. Eux aussi en train de travailler. Et c'est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, c'est comme ça. On se réveille un matin, on est menacé d'un coup d'État, on se réveille l'autre matin. Il y en a des présidents qui ont vécu ça pendant 30 ans. Ben, ça a la même routine. Hein. Mais les hommes doivent être à la place où il faut. Ben, il faut de l'expérience d'un côté, la loyauté de l'autre. Il faut voir toutes ces choses-là. C'est très, très important. On va terminer avec la lecture des journaux. Proclamation, Félix Tshisekedi s'apprête à nettoyer sa cour, profitant des rumeurs sur le coup d'État qui aurait échoué. Moi, j'ai des très bonnes recettes, en tout cas, données au président de la République pour réussir cette affaire de toilettage. Parce que la révolution des palais, ouais, ça nous amène généralement à ça. La guerre de palais, vous savez, il y en a qui veulent avoir la place à Batomoussou. Et ce qui est bizarre, j'entends maintenant, Batomoussou va sans gêne, Penza. Ils sont, je ne sais pas, journalistes ou qui, mais ils sont sans gêne. Un coup d'État, mais eux nous parlent de conflits des Louba, et des Kananga et des Mbujimaï, mais je ne comprends rien. Comment on peut avoir un raisonnement aussi bas comme ça? Oh, Kananga, Siliki, Louba, Mbujimaï, la clarté, Mbujimaï, Lingi, mais c'est pas possible. On parle de la présidence, je vous rappelle. On ne parle pas des chefs coutumiers ici. On ne vous parle pas des chefs des ethnies. On vous parle de la présidence qui est l'institution de la République. Le président de la République est une institution de notre République. On ne peut pas parler des tribus là-bas. Mais comment les gens font pour rester dans... Je comprends rien, hein, à un moment donné. Coup d'État, des questions sans réponse. Congo nouveau, élection Tshisekedi, y a-t-il intérêt de jouer au glissement? Ça, on en parle. Géopolis Hebdo, après un an à la tête de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a rendu compte de ses réalisations et cède le pouvoir à Macky Sall. Bon, vous allez voir maintenant la différence entre le Congo, hein, et le Sénégal. Bota la binomo, ma chaîne sénégalaise. Hein. Botala, le débat, comment il mène le débat, il y a prise de pouvoir, il y a l'Union africaine, Nabango. Botala, parce que le débat, il y a l'Union africaine. Au moins, la conception, il y a le président de l'Union africaine, est totalement le contraire, il y a tout ça parce que les gens ne veulent pas lire. Et quand on dit aux gens de lire, ils pensent qu'on est en train de faire une aventure. RDC Sécurité, attention au retour de vieux démons. Il y a tellement de choses à dire dans Marambo, mais malheureusement, il y a des gens qui ont la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tu es aux hommes, si
bolonde ne la lisa.